Dans le chapitre probablement le plus remarquable de tout le roman, Hugo déclare que l'invention de l'imprimerie est le plus grand événement de l'histoire. L'imprimerie va tuer l'architecture. Maintenant, écoutez très attentivement ce qu'il dit. C'est d'une importance capitale. L'architecture a commencé comme n'importe quel système d'écriture. C'était d'abord un alphabet. Une pierre était placée correctement et c'était une lettre. Plus tard, les mots ont été formés. La pierre a été posée sur la pierre. Ces syllabes de granit ont été assemblées. La langue essaya quelques combinaisons. Finalement, ils ont produit des livres. Et ils grandirent, se multiplièrent, se croisèrent, devenant de plus en plus complexes. Ainsi, il continue, pendant les 6000 premières années de l'existence du monde, l'architecture était une grande écriture de la race humaine. Ce livre de granit a commencé en Orient, et la dernière page a été écrite au Moyen Âge. L'architecture, jusqu'au XVe siècle, était l'enregistrement principal de l'humanité. Pendant cette époque, aucun concept d'une quelconque complexité n'est apparu dans le monde sans qu'il n'ait été transformé en un bâtiment. Mais l'imprimerie est arrivée à la Renaissance, et le mot « imprimerie », tel un ver, rongeait, aspirait et dévorait ces bâtiments. Alors que l'architecture diminue, l'imprimerie, elle, enfle et grandit. Ainsi, dès le XVIe siècle, l'imprimerie, maintenant développée jusqu'à égaler la stature de l'architecture en déclin, combat et tue son rival. Au moment où le XVIIIe siècle arrive à son terme, la presse à imprimer a tout détruit. Au XIXe siècle, elle va reconstruire. Ainsi, pour résumer ce que nous avons dit jusqu'ici, l'humanité a deux livres, deux disques, deux testaments, la maçonnerie et l'imprimerie, la Bible de pierre et la Bible de papier. Le passé doit être relu sur ces pages de marbre. Pouvez-vous maintenant voir pourquoi il était peut-être nécessaire pour les conquérants de changer et de réaffecter tant de choses, non seulement pour déstabiliser, détruire et cacher l'entière infrastructure de l'ancien monde, mais aussi pour disperser, briser les histoires et récits que ces structures exprimaient silencieusement, pour démanteler leurs témoignages et ensuite réécrire une histoire fabriquée et propager cette information largement à travers le monde par le biais du livre imprimé. Et c'est une notion très dérangeante. Et s'il y avait une Bible écrite dans la pierre, n'était-ce pas précisément ce à quoi Fulconelli faisait référence? Au fait que les cathédrales avaient un message écrit dans la pierre qui témoignait d'un passé alchimique et technologique? Mais si elle témoignait de plus que cela, les livres peuvent être brûlés, mais la pierre peut aussi être altérée, maquillée ou démolie. Et c'est là que réside un problème majeur pour nous au XXIe siècle. Comment lire les livres de pierre du passé si la grande transition a dispersé leur message? Nous devons apprendre à lire, mais la langue que nous devons d'abord maîtriser est celle de la réaffectation et de la révision. Nous continuerons à tourner en rond, à moins que nous ne commencions à faire la différence entre l'ancien monde médiéval et la grande transition qui a suivi. Il y a tellement de choses qui attendent d'être découvertes grâce à cette distinction. Et maintenant qu'Hugo nous a donné la clé, nous pouvons franchir la porte et tenter de le faire. Mais avant cela, il est temps de présenter nos respects. Ses funérailles sont en cours au moment où nous parlons, et comme vous pouvez le voir, une grande partie de la population de Paris est ici en deuil. Hugo était un géant national, une imposante figure de lettres, qui a donné vie par l'écriture aux mensonges de Paris, fait de la même étoffe que ceux qu'il en est venu à mépriser. Un gardien du temple peut-il développer une conscience? La fille d'Hugo était enfermée dans un asile de fous. Ses deux fils, sa femme et sa maîtresse sont également morts, tous dans un laps de temps très court. Et puis, ce fut son tour. Quelques jours avant sa mort, Hugo écrit « Aimer, c'est agir ». Est-ce que son amour pour le vieux monde révolu du Moyen Âge l'a poussé à l'action pour protester contre sa disparition aux mains de ses conquérants? Est-il devenu juste un peu trop rebelle? A-t-il commencé à délaisser le temple qu'on lui avait demandé de garder? Et est-ce que sa famille a souffert en conséquence? Peut-être, peut-être pas. Nous ne le saurons jamais. Et nous voici de nouveau devant l'Arc de Triomphe.
Les funérailles de Victor Hugo ont commencé ici, un endroit ironique et répréhensible pour commémorer un homme qui détestait les fruits nés de la grande transition néoclassique. Cette arche n'est pas un aimant. Elle n'est pas une technologie de l'ancien monde. Elle a été construite à l'époque où l'on dit qu'elle a été construite. Elle n'a pas été construite par ceux qui utilisaient la maçonnerie traditionnelle, les chevaux et les charrettes. Non, c'est un mensonge. Les portes en arche de l'ancien monde médiéval étaient différentes et avaient une toute autre fonction. Ceci appartient et n'est pas antérieur à la grande transition et servait une fonction primaire, déconcertante dans son impossibilité, oui. Dans sa taille gargantuesque et sa juxtaposition avec les minuscules personnes à ses pieds, oui. Mais impénitent, arrogant, monstrueux et imposant, la déclaration finale de la domination impériale et de la victoire sur le vieux monde médiéval, le sceau du triomphe, un moment de jubilation, figé dans la pierre froide, sa fierté audacieuse dissimulant à peine sa seule fonction, marquer le retour de Rome. Combien de ces arcs de triomphe du même style peuvent être trouvés à travers le monde? Commencez à regarder les dates de leur construction. Ils ont été érigés pour déclarer l'achèvement d'une réinitialisation de 500 ans dans de nombreux endroits du monde. Mais celle-ci semble différente à ce jour, vous ne trouvez pas? Voyez-vous ce qu'ils ont fait? Ils ont ajouté le chariot soleil, l'invaincu Phoebus, l'unique Invictus, au sommet de l'arche pour les funérailles. Nous ne voyons pas cette statue dans les photographies de l'arche prises en 1860, 25 ans avant l'enterrement d'Hugo. Donc pourquoi maintenant? Regardez le catafalque créé pour porter son cercueil sous l'arche. C'est digne d'un géant, et c'est le plus grand et le plus décadent que j'ai jamais vu. Voyez-vous comment ils l'ont décoré avec un grand soleil? Ils se moquent de lui avec la même décadence et grandeur romaine. Les rubans de marbre, les draperies, les guirlandes, les pompons et les statues gonflées contre lesquelles Hugo a activement protesté. Ils se moquent de lui comme ils se moquent de nous aujourd'hui. Quand nous avons commencé ce voyage, je vous ai dit que pour reconstituer une image et une chronologie précise de notre histoire perdue était comme essayer de résoudre un impossible Rubik's Cube. Ce n'était pas une hyperbole de ma part. Ils ont travaillé très dur pour enterrer un millier d'années de notre histoire en la ternissant comme un âge sombre. La complexité de ce à quoi nous avons affaire est écrasante. Mais ça ne va pas nous empêcher d'essayer. N'est-ce pas? Alors commençons à faire tourner ces cubes. Nous devons commencer par l'Europe avant d'élargir notre enquête. Nous devons commencer à faire la différence entre l'ancien monde médiéval et la grande transition. Nous devons commencer à établir des définitions et des cadres temporels pour examiner de plus près chaque période ici et examiner de manière médico-légale le tissu même de la réaffectation. Sinon, nous continuerons toujours à faire une grande injustice au passé qu'ils ont essayé de détruire. Allez, la première porte est ouverte et il est temps pour nous de la franchir. Un labyrinthe kaléidoscopique nous attend, les deux livres de l'humanité, et il est temps que nous apprenions à lire. Tenez bon, et je vous retrouve de l'autre côté.